On peut ne pas être d'accord sur les questions de fond, mais pouvoir discuter ou débattre librement sans animosité ni invective. Des propos qui traduisent l'état d'esprit dans lequel se sont déroulées les concertations politiques du 10 au 23 février dernier à Libreville. Dans une interview accordée au quotidien L'Union, le Premier ministre Alain-Claude Bilibizé a souligné la volonté du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de prôner un Gabon démocratique. Selon lui, cette concertation était l'occasion pour tous les clivages politiques de se parler en vue d'envisager des élections transparentes et sans bavure. Nous avons abordé chacun des trois points à l'ordre du jour, parfois avec passion, mais au final, c'est la volonté de faire évoluer notre pays qui l'a emporté, a souligné Alain-Claude Bilibizé. Si certaines parties prenantes ont émis des doutes sur la mise en application des recommandations formulées au cours de ces concertations, selon le Premier ministre, la majorité a su apaiser ses inquiétudes en apportant des réponses claires et concrètes à ces questions. Tout en précisant que dans son allocution de clôture, le président de la République a instruit le gouvernement à agir sans délai pour que les conclusions de la concertation soient traduites en actes et prennent effet dans les meilleurs délais.